Salut! On va faire une autre séance de tapping sur l'harmonie. L'harmonie de ses relations, l'harmonisation de sa relation avec l'argent et aussi les relations. Moi, je trouve que les relations, c'est important de faire un tapping sur les relations parce que la relation à l'autre, c'est aussi l'échange de l'argent. Et je trouve que c'est vraiment lié. Alors, on va commencer avec une croyance. Je suis désolée de croire que je ne suis pas capable d'entretenir de bonnes relations. Je suis désolée de croire que je ne suis pas capable d'entretenir de bonnes relations. Pardonne-moi de croire que je ne peux pas entretenir de bonnes relations. Pardonne-moi de croire que je ne peux pas entretenir de bonnes relations. Je m'excuse de croire que je ne peux pas entretenir de bonnes relations. Je m'excuse de croire que je ne peux pas entretenir de bonnes relations. Pardonne-moi de croire que je ne peux pas entretenir de bonnes relations. Je m'excuse. Pardonne-moi. Je t'aime. On revient au centre et on fait le monopono. Donc, je ressens de l'amour, l'état d'esprit de l'amour face à cette situation que je crois que je ne peut pas entretenir des bonnes relations. Je ressens l'état d'esprit de la responsabilité en tant que créateur que j'ai créé cette possibilité-là. Je ressens de la compassion en même temps. Je ressens l'état d'esprit du miracle du pardon, avec le pardon. Je peux aller plus loin. Que je peux avoir d'autres possibilités dans mon champ. Et je ressens la vibration de la gratitude. Voilà. On va faire avec l'affirmation positive. Je suis capable de générer et d'entretenir des bonnes relations. Je suis capable d'avoir. Un homme appelé Peter a réussi à. Je suis capable d'avoir et d'entretenir de bonnes relations. Je peux entretenir et avoir de bonnes relations. Je suis ces relations harmonieuses. Je suis et je génère ces relations harmonieuses. Ma relation avec moi-même est harmonieuse, autant qu'avec les autres. Ma relation avec moi-même est harmonieuse, autant qu'avec les autres. Se libérer, c'est activé. Alors, je ressens la gratitude, l'amour, la possibilité au miracle et ma part de responsabilité en tant que créateur. On va faire une autre croyance. L'harmonisation de ta relation avec l'argent. On a fait la relation avec les gens parce que ça a rapport avec la relation. Sans relation avec les gens, tu ne peux pas avoir une bonne relation avec l'argent parce que l'argent, ça se base sur la relation avec les gens. Mais là, on va faire la relation avec l'argent. J'harmonise ma relation avec l'argent. Je suis désolée de croire que je ne peux pas harmoniser ma relation avec l'argent. Pardonne-moi de croire que je ne peux pas harmoniser ma relation avec l'argent.
Je m'excuse de croire que je ne peux pas harmoniser ma relation avec l'argent. Je m'excuse de croire que je ne peux pas harmoniser ma relation avec l'argent. Pardonne-moi de croire que je ne peux pas générer, que je ne peux pas harmoniser ma relation avec l'argent. Je m'excuse. Je t'aime. Alors, on sent la vibration du pardon, l'ouverture miracle. On sent la vibration de l'amour, de sa part de responsabilité et de gratitude pour les choses à venir. Je suis harmonisation. Ma relation avec l'argent est totalement harmonisée. C'est tellement ça. Ma relation avec l'argent est juste harmonisée. Ma relation avec l'argent, c'est vraiment harmonisé. Je suis l'harmonie. Je suis l'harmonie. Ma relation avec l'argent est harmonie. Je génère des bonnes relations avec l'argent. Et mon avenir financier est que miracle. Je génère des bonnes relations avec l'argent. Ma relation avec l'argent est harmonisée. Je suis tellement abondante. Je génère tellement des bonnes relations avec l'argent. Ma relation avec l'argent est harmonisée. Et ma vie est prospère. Tellement plein d'abondance. Ça n'arrête plus. J'ai tellement d'abondance. Je suis prospère. Et ma relation avec l'argent est harmonisée. OK. On va faire un tapping sur l'harmonisation avec toi-même. Parce qu'on a besoin aussi, il y a les autres, sa relation avec l'argent et harmoniser avec soi-même. Ta relation avec toi-même. Parce que tout dépend de ton monde intérieur, tout dépend de toi. Alors, j'ai une relation harmonisée avec moi-même. Je suis en harmonie avec moi-même. On va y aller comme ça, OK? Alors, je suis désolée de croire que je ne peux pas entraîner une bonne relation avec moi-même. Tellement désolée de croire que je ne peux pas entraîner une bonne relation avec moi-même. Pardonne-moi de croire que je ne peux pas entraîner une bonne relation avec moi-même. Je m'excuse tellement de croire que je ne peux pas entraîner une bonne relation avec moi-même. Pardonne-moi de croire que je ne peux pas entraîner une bonne relation avec moi-même. Je m'excuse de croire que je ne peux pas entraîner une bonne relation avec moi-même. Pardonne-moi de croire que je ne peux pas entraîner une bonne relation avec moi-même. Je t'aime. C'est allé fort, ça, là. Alors, on va continuer. Dans le fond, on va continuer avec la formulation positive. Je suis capable de générer et d'entraîner une bonne relation avec moi. Je suis capable de générer et d'entraîner une bonne relation avec moi. Je suis capable d'entraîner et de générer une bonne relation avec moi. Je suis capable d'harmoniser la relation avec moi. Je suis en harmonie avec moi-même. Je suis tellement en harmonie avec moi-même. Je génère l'harmonie de moi-même. Je suis en équilibre et en harmonie dans mon système interne, dans mon monde intérieur. Je suis en harmonie dans mon monde intérieur et je suis en harmonie avec ma relation avec moi. Je génère l'harmonie de ma relation avec moi et cette harmonie-là se répercute sur ma relation avec l'argent et ma relation avec les autres. Je génère cette harmonie à partir de mon centre.
Je suis qu'harmonie. Je suis qu'harmonisation. Je suis qu'harmonisation. Je suis qu'harmonie. Je suis qu'harmonie et harmonisation. Je t'aime. Alors, je ressens la vibration de l'amour et je me l'envoie à moi-même. Je ressens la vibration de la responsabilité et je prends position dans ma responsabilité en tant que créateur. Et je ressens l'ouverture au miracle, aux possibilités avec le pardon de moi, d'avoir toutes ces années portant une belle relation avec moi. Et je ressens la gratitude par rapport autant au passé qu'au futur. Et qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est le tapping pour l'harmonisation. Je vous souhaite bon process et on se revoit dans la prochaine vidéo.